Villemus est une commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Villemus est située dans une région de collines. Il ne reste de son passé que quelques vestiges enfouis dans la forêt. Le nom de ses habitants est Villemusien. La commune est située entre Rayanne -en et Montfuron. Les communes limitrophes de Villemus sont Saint-Michel-l'Observatoire, Saint-Martin-les-Eaux, Manosque, Montfuron, Montjustin. Et Rayan. Vilmus est traversé par le largue et certains de ses affluents. Le ruisseau de la Bonde, cours d'eau de 5 km 600, et son affluent de 2 km 600, le ravin des plaines. Le ravin de Pifera, long de 3 km 600, et son affluent de 1 km 200, le ravin de Pergrosse. Risque naturel et technologique. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Reyan, auquel appartient Vilmus, est en zone 1B, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Villemus est également exposée à trois autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations et les mouvements de terrain. La commune est presque entièrement concernée par un aléa moyen à fort. La commune de Villemus est de plus exposée à un risque d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par route et canalisation. Il s'agit en majorité du transport de matières premières à destination ou de produits finis en provenance des usines Arkema de Saint-Auban la départementale RD900, ancienne route nationale 100, peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses. Une canalisation transportant de l'éthylène, transéthylène, traverse la commune. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n'existe pour la commune et le dicrim n'existe pas non plus. La commune a été l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles pour des inondations et des coulées de boue en 1994 et 2011, et pour des glissements de terrain également en 1994. Toponymie. Le nom du village, tel qu'il apparaît la première fois vers 1025, Villa Mur, est issu de l'Occitan Villa, pour un village ou un hameau, et de Murus, pour un mur d'enceinte. Il s'agissait donc d'un village fortifié, Bien que les historiens fassent une interprétation différente. Histoire. Antiquité. Dans l'Antiquité, le territoire de Vilmus fait partie de celui des Sogiontiques, Sogiontrie, dont le territoire s'étend du sud des Baronnies à la Durance. Les Sogiontiques sont fédérés aux Vaucons, et après la conquête romaine, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ils sont détachés des Vaucons et forment une civitas distincte avec pour capitale Ségustero, Cisteron. Une nécropole gallo-romaine a été retrouvée sur le territoire de la commune, avec notamment un sarcophage en plomb. Moyen Âge. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths, Théodoric le Grand, fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi Burgonde-Gondemar III, la régente Ostrogo, à lui rend ce territoire. Jusqu'au Xe siècle, l'habitat reste dispersé dans la plaine. À la fin du millénaire, ou au début du XIe siècle, la population est regroupée sur un site de hauteur. Le nom du terroir devient Villamures ou Villamuro, juxtaposant une fossilisation de l'ancienne organisation territoriale de plaine. Et le perchement et la militarisation de l'habitat. Les premiers seigneurs du lieu, dont Rostin de Vilmus, sont probablement placés là par les Rayannes. Le fief de Vilmus était un arrière-fief du comté de Forcalquier au XIIe siècle. Lorsque ce comté perd son indépendance en 1209, à la mort de Guillaume II, un de ses neveux, Guillaume de Sabran, tente de le relever. Après une lutte de dix ans. Il passe un accord à Mérargue le 29 juin 1220 avec Raymond Béranger IV, comte de Provence, et lui aussi héritier du comté de Forcalquier. Par cet accord, la moitié sud du comté, dont Villemus, lui est donnée. Guillaume de Sabran conserve sa moitié de comté jusqu'à sa mort, vers 1250. La seigneurie appartient à la dynastie autochtone des Villemus, du 11e au XVe siècle. Puis passe au Destienne jusqu'à la Révolution. La communauté relevée de la viguerie de fort Forcalquier. L'église paroissiale relevée elle de l'abbaye de Montmajour qui en percevait les revenus. Époque contemporaine. Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique créée après la fin de 1792. Un mandat de destruction du château est signé et les travaux de démolition entamés, mais restent inachevés. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 26 habitants de Vilmus sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Vilmus se dote d'une école bien avant les lois Ferry, en 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. Aucune instruction n'est donnée aux filles, ni la loi Fallou, 1851, qui impose l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants, ni la première loi du Ruy, 1867, qui abaisse ce seuil à 500 habitants, ne concerne Vilmus. Si la commune profite des subventions de la deuxième loi du Rui, 1877, pour rénover son école, ce n'est qu'avec les lois Ferry que les filles de Vilmus sont régulièrement scolarisées. Mine. Jusqu'au début du XXe siècle, une mine de lignite était exploitée à Vilmus, ainsi que de manière plus marginale, un gisement de grès bitumineux. L'exploitation du lignite se faisait dans des couches géologiques à fort pendage et l'évacuation du minerai se faisait par une galerie basse, débouchant à flanc de montagne, dans la vallée du Largue, près de la gare de Lincel, Saint-Martin. Plusieurs concessions se superposaient sur le territoire de la commune, dont la concession de la colle de Villemus, accordée pour l'extraction du lignite en 1845, elle couvre 380 hectares et s'étend au nord sous la commune de Lincel, actuellement rattachée à la commune de Saint-Michel-l'Observatoire à l'est sous celle de Saint-Martin-de-Rénaca, actuellement Saint-Martin-les-Eaux, et au sud sous la commune de Montfuron. La concession de la jipière accordée pour l'extraction du lignite en 1845 à la Compagnie Industrielle des Alpes, elle couvre 623 hectares, et atteint la commune de Montfuron au sud. Les concessions des plaines, qui débordent sous les communes de Montfuron au sud, et Manosque au sud-est, et des Chabannes, Principalement sous la commune de Saint-Martin de Renaca, sont accordées en 1844 et 1857 pour l'exploitation du bitume. Elles n'ont jamais donné lieu à une production significative et les arrêts de travaux ont été prononcés en 2000. Assez peu de documents sont disponibles sur la mine de Vilmus, dite mine de Lincel Saint-Martin. L'exploitation de la concession de la colle de Vilmus est accordée à la compagnie des produits chimiques Allais, puis Allais. Froge et Camargue. L'exploitation en est rendue difficile par les pendigeuses des couches géologiques elles sont partout inclinées à un angle supérieur à 60 degrés, et le plus souvent verticales. La galerie principale, le travers banc Sainte-Croix, fait 860 mètres de long. Une galerie d'exor a été creusée pour évacuer l'eau pompée au débit moyen de 4 mètres cubes 900 par heure. Les deux concessions constituant la mine de l'Incel Saint-Martin sont renoncées le 11 août 1935. Son exploitation reprend brièvement à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et le plan Monet lui attribue comme objectif une production journalière de 200 tonnes. Cet objectif n'est pas atteint, la mine plafonnant à 100 à 120 tonnes jour en 1946. La galerie a été bouchée, en laissant des passages pour les chauves-souris. On ne signale pas d'effondrement lié à la mine. Lieu ⁇ et monument remarquable. Chapelle Notre-Dame ⁇ à Vilmus. Le prieuré Notre-Dame du Largue est depuis le 21 février 1989. Monument inscrit à l'inventaire des monuments historiques, façades et toitures de la chapelle ainsi que son prieuré. La chapelle Notre-Dame du Pont ⁇ ou du Largue ⁇ ou chapelle des Crocs ⁇ est un ancien prieuré dont subsiste un bâtiment roman à étage. Il a conservé des portes géminées, des arches sous claveaux romans. La chapelle à originale a disparu en grande partie. Il subsiste l'abside en cul-de-four, en appareil moyen. Elle doit dater de la fin du XIe siècle ou du XIIe siècle, sauf la porte sud, de la première moitié du XVIIe siècle. La grande bastide, qui est en fait plus qu'un château, une résidence seigneuriale, Distribue ses différents bâtiments autour d'une cour. Le bâtiment du fond est percé de croisées, sa porte est couverte d'un fronton et encadrée de colonnes. Les ailes relient deux pavillons à ce bâtiment, l'un des pavillons abrite une chapelle. L'ensemble est construit entre 1600 et 1650. Une maison du village possède une porte en plein cintre, dont la clé est sculptée d'une feuille d'acanthe, 1680. La chapelle de la Grande Bastide, en gothique du XVIIe siècle, est intégrée au bâtiment rez-de-chaussée. à une seule travée, sous-croisée d'ogives, elle possède des semblants d'enfeu sur trois côtés. Il reste quelques ruines du château fort, tour de 10 mètres, maison forte du castellet, XVIIe. e L'église paroissiale, placée sous le vocable de Saint Étienne et le patronage de Saint Trophime d'Arles, du XVIIe siècle, conserve une influence romane dans sa construction d'une manière imprécise. Sa nef ne possède aucune travée voûtée en berceau, elle aboutit à une abside en cul-de-four. Le bas-côté, voûté d'arête, est plus court que la nef. Les cloches sont logées dans une imposante tour. L'ensemble, sans style prononcé, est probablement issu de nombreuses campagnes de réfection et reconstruction, qui ont remployé des matériaux anciens. Elle est reliée au presbytère par un chemin aérien. Enfin, la chapelle romane Saint Trophime, oratoire Saint Joseph.